Un grand merci Christine, Olivier, pour l'organisation, cette nouvelle organisation de soirée inter-réseau. Donc on a initié depuis un an et demi entre les réseaux de Colline, RH Solutions et Cobiz. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter et représenter un petit peu vos réseaux, Christine? Oui, bah avec plaisir, merci à toi Nelly aussi. Donc moi je suis Christine Ré, je suis directrice de l'agence de portage salarial RH Solutions à Grenoble. Donc j'accueille les personnes indépendantes qui souhaitent créer leur activité, la développer au travers d'une société de portage salarial et garder leur positionnement d'indépendant tout en gardant aussi une couverture sociale et un statut de salarié. Moi c'est Olivier Pasturel, donc je suis gérant et fondateur de Colline, un espace de coworking à Grenoble. Et nous on accueille aussi des indépendants mais aussi des salariés isolés. L'objectif de ce lieu, c'est de pouvoir échanger, collaborer et innover ensemble. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu quel était l'objectif de départ? Oui, tout à fait. L'objectif de départ de ces soirées inter-réseaux, je vous rappelle que c'est la cinquième rencontre qu'on a entre nos trois réseaux, et ben, c'était de développer l'effet viral, hein, c'est-à-dire on a chacun des réseaux et en les mélangeant, en les faisant se rencontrer, on les accroît de manière très importante. Réseaux différents se rencontrent, donc la diversité est accrue. En quoi le croisement de ces réseaux est important? C'est vrai qu'on arrive à aller sur la diversité, et c'est vrai que chaque personne, chaque groupe de chaque réseau, pour ma part dans l'agence, les portés sont vraiment très intéressés à rencontrer des nouvelles personnes dans des contextes différents et échanger sur leurs expériences. Il y a des opportunités que chacun en est à un certain stade et peut échanger avec l'autre et enrichir l'autre. Voilà. Et on le voit bien parce que ces soirées ont toujours autant de succès. Oui, grâce à vous et grâce à tous les partenaires d'Ecobiz aussi. Absolument. On sent toujours ravis de venir et en plus cette fois-ci, on est au golfe de Bresson, donc on est gâtés, vraiment.